Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. Continue notre petite péripétie. Il y a ça qui me commence à me stresser en fait. Genre population en dessous de 20%. Normalement, on devrait avoir le temps pour tout faire, les DLC et tout ça. Mais c'est stressant, c'est stressant. Donc on a des missions qui sont pas trop loin. Mais on va faire un truc de DLC. Je crois que c'est du DLC, c'est ça. Catacombe du désespoir, site de bio-ingénierie d'Alexander Danchou. Je sais pas vraiment, je sais plus vraiment ce que c'est. C'est peut-être les choses pour les anciens, je suis pas sûr. Donc ouais. On a un ailé, actif. Et on a encore 4 structures qui se baladent. Donc je vais devoir détruire ça. Peut-être que je montrerai, parce que j'ai montré 2 nids. 2 gros trucs là, je sais, citadelle. J'ai montré qu'une seule tanière, donc peut-être qu'on fera une deuxième tanière. Je vous montrerai un peu. Mais ouais, catacombe du désespoir, je pense qu'on va faire ça. Ouais. Parce que l'équipe en fait est juste à côté. Et là, je suspecte qu'on va avoir une attaque bientôt, parce que ça va être bientôt dans la brume. Le repousseur de brume n'est pas prêt. Armée, grenade, Odin. Très bien. Nous avons trouvé une sorte de colonie pandorienne jonchée de restes d'Arthron. Il y a un scarabée abandonné dehors. Entrez dans le tunnel. Ouh, ok. Alors, hop. Hop, hop, hop. Alors, attendez, parce que j'ai fini un truc. Ça va pour Adèle, je crois. Ouais. Donc, ça. Voilà. C'est pas très, très beau, mais... Et il faut mettre le laser. Le laser, normalement, il marche. Hein. Oui, oui, on peut leur mettre n'importe quoi. Ça va pas vraiment ensemble, en fait. Parce que le design, en fait, est fait pour aller avec les trucs de Jericho. J'avoue. Mais j'aime bien le laser, en fait, au final. Je trouve que le laser est vraiment intéressant. Donc, ouais. Puis après, la couleur rouge, ça va avec la couleur rouge, dans un sens. Donc, ouais, c'est une meilleure armure et tout. On peut voir la différence. Ça c'est golem, mastodon. Ouais, c'est un peu plus lourd, mais bon, il gagne quand même 6 points d'armure. Donc voilà. Après, je dirais, pour que ça soit encore plus stylé, on met une armure d'assaut, mais de Jericho. Je pense que ça ira mieux ensemble. Mais l'armure de Jericho, elle a un peu plus d'armure, je crois, mais elle a pas de vitesse en plus. Donc un assaut qui a pas de vitesse, c'est un peu pourri, je trouve. Déjà qu'on lui met une armure lourde, c'est un peu étrange, mais voilà quoi. 23 sur 24. Ça c'est 2. Ouais, une grenade. Ah quoi qu'attends, je peux peut-être mettre... Ah non, c'est 2. Chier. Bon, bah une grenade de plus. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quelques points, je crois. Bon, là, j'en ai mis en volonté, parce que elle était à 5 encore de volonté, donc faut qu'elle passe à 6, honnêtement. Après, il y a d'autres... je sais plus exactement ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose. Parce que j'avais pas beaucoup de points. Je sais qu'il y en a un que j'ai débloqué un truc, je sais plus quoi. Ouais. Non, mais il n'y a pas eu de gros changements, en fait. Ouais, non, il n'y a pas eu de gros changements. Donc, on avance. Ah, toi, je crois que t'avais pas usage rapide. Je sais plus. Enfin, bref, non, il n'y a pas eu de changement, honnêtement. Donc, on va y aller. Alors, on va prendre l'équipe qu'on utilise d'habitude. Hop, hop, hop. On est bon. Garcia est bon. C'est parti. Donc ouais, on va un peu faire d'autres quêtes, enfin d'autres lignées de quêtes. J'aimerais bien en fait finir dès qu'on commence un truc, mais bon, là vu qu'on est juste à côté, et puis le timer il continue à descendre. Donc bon. Après c'est pas comme si on avait genre échoué à des choses et tout, donc en théorie ça se passe bien. Mais c'est quand même stressant d'avoir ce compte à rebours. Hein. J'avoue que je suis vraiment pas fan du tout. Hein.
Mais bon, pour le moment, ça va. Après, détruire des nids et tout ça, ça ralentit. La brume aussi, ça ralentit. Enfin, le lanti-brume, ça ralentit. Alors, sécuriser la zone. Ah, d'accord, putain. Ah, ça commence fort quand même! Vache! Ah, t'as l'ombre. Oh la vache. Ah, ça commence violent là. Saloperie quoi. Ah, fais chier, toi t'es pas. C'est un peu pour. C'est horrible là. Plus les gens se gênent les uns les autres, quoi. Incroyable. Elles sont toutes niveau 1, donc ça va. Alors. Yeah, ici sur 6, trop bien. Tu peux enfin être utile. Enfin, tu peux enfin faire au moins ça deux fois, quoi. De filet. Parfait. Waouh. Putain, tu l'as défoncé, le machin. Vache. Là, bravo, là. Tu l'as, mais alors défoncé. Très bien. État de panique. Okay. Ah, toi, t'es... Ok. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Ok, on peut le faire, le panique, on peut même l'ignorer, du coup. Ça voudrait dire. Donc ça c'est intéressant, ça. Toi, t'as... On va les mettre là, comme ça, on va pouvoir les en mettre en avant et en arrière. Qu'est-ce que je viens de faire? T'as pas tiré les trois? Après tu peux lui mettre une balle. Tu vas le tuer là, non? Non, tu lui as détruit le lance-grenade. Ok, c'est bien. Lui a détruit le lance-grenade. Oh là là, la merde. Ah oui, oui, oui. Frénésie, attention. Du coup, j'ai toujours plus de points, ça va. Standing by. Je vais voir ça, la portée que ça. Ok. Ok, c'est pas mal. Ok. Parfait. Toi. Attends, un point. C'est toi, tu vas être un problème. J'ai pas envie de me... J'ai pas envie de me concentrer sur l'arrière. Thank you.
Let's all move. Pas mal, pas mal. C'est sans déconner, quoi. Can't wait. Already there. Channel open. I'm on Overwatch. Let's do this. Okay. Qui c'est qui reste? Ça marche. Ça marche. Ok. Bien, ils se gênent les uns les autres, pas mal, bien joué. Ah non, ils se gênent pas les uns les autres, j'ai redit. Aouh. Mon équipement. Alors, on fait voir un peu. On peut faire de la grenade. Toi tu pourrais aller en tuer pas mal là avec notre liquidation rapide. Il y a juste lui qui m'embête. I've got this. Touché. Ah oui. Ok. What's our plan? C'est un peu un endroit de merde quand même, hein. Faut l'avouer, hein. C'est un endroit bien pourri. J'aurais dû plutôt tirer sur le côté gauche pour toucher un peu lui. Alors, on teste. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Donc, c'est la poussée d'adrénaline et liquidation rapide. Ça fait 10. Si on avait un de plus, on pourrait faire tout anti-blindage aussi, en même temps. Alors, liquidation rapide. Poussée d'adrénaline.
Donc voilà, tout coûte 1 maintenant. Donc là, je récupère tout. Tu vas peut-être pas le tuer là. Si je tape deux fois, tu devrais récupérer. Est-ce qu'on peut pas te un peu t'abîmer avec quelqu'un d'autre en fait? Preparing to fire. Je sais pas si c'était assez. Ah, ça m'embête là. J'aurais dû faire offensive. Attends, je peux peut-être toujours le faire. On va voir. Ok. On a deux points. Offensif, c'est quoi? C'est deux. Ah, quelle merde. Ah, oh, mais j'ai été con. J'aurais dû faire courir, en fait. Ah. Oh là là, le gros débile. Ah, j'ai pas encore l'habitude avec ça. Ouais, j'ai pas encore l'habitude, mais ça va, ça passe. Ok, là on a fait un bon... truc. Il nous a ouvert la voie, c'est bien. Il va falloir qu'on se le fasse. Parce que de toute façon, on doit tuer tout le monde et sécuriser la zone. Donc, du coup, on va devoir le faire. Pas mal hein, ce système là. Il peut taper là, c'est pas mal. Mais après il peut plus, par exemple là il est en adrénaline donc il peut pas faire ça. Il peut pas faire attaque tentaculaire, ce serait vraiment pété. On va devoir faire un peu avancer les snipers là, pour s'occuper de l'arrière. Les snipers ils vont s'occuper de l'arrière. Avec Alexander. Faudrait le faire là-bas en fait. Mais bon, je peux pas vraiment. Qu'est-ce qu'il nous reste? Toi, y a rien à faire. Ben, je sais pas où aller. L'ennemi détecté ici, ok. Après, je peux faire... non, je peux pas faire courir. J'ai pas assez... non, je l'ai pas encore courir. Je l'ai pas encore. Ouais. Alors toi, t'es quoi, toi? Lance-grenade et machin. Ok, ça va. Je vais juste... regarder, mais on doit être bon.
Hop, récupérer. Toi, t'es pas super bien placé, mais on n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix. Ah là, le berserker, il devient extrêmement puissant si on fait ça. Puis après, on peut faire récupérer à la fin, donc en théorie. On peut recommencer, en fait, ce truc. Ouais. J'en étais sûr. J'ai envie vraiment de lui mettre une armure, le truc qui régène en fait. Je pense qu'après ça, je vais repasser sur le régène. Alors. Du coup, on peut recommencer. On peut recommencer. Ah si, t'as courir, je suis bête. C'est juste que... Ah oui, c'est juste que tu pouvais pas l'utiliser parce que on est à pousser d'adrénaline. Ok, ça marche. Alors, on peut refaire ça. Liquidation rapide. Fais voir, là tu utilises moins d'un. Ok, on va voir si on peut pas couper un peu des membres. Pas mal. J'aurais dû tirer avec ça en fait. Par contre, on a beaucoup de gens là, à droite, et on a quasiment rien là. What's our plan? Donc, il va falloir qu'on aille aider. Enfin, lui, il va falloir qu'il fasse du beau travail, quoi. Alors. Alors, toi, tu peux... C'est quoi ta portée de offensive? Ok. Ah, merde, t'as un truc qui va disparaître. Ou pas. Ou pas. Ok, je pourrais te donner 2 points de plus, histoire que t'aies vraiment l'opportunité de le tuer, parce qu'il va falloir que tu tapes au moins 2 ou 3 fois là. On va faire offensive. Tu vas te mettre là. Ah merde. Ok. Ok. Je crois qu'on va aller se cacher parce que là je crois que tu le tues pas lui. Mais ouais, il faut absolument que je lui remette le... Absolument que je lui remette la défense là. Là, ça aide pas en fait. Offensive. Ready. Eyes peeled. Ok. Tu vas mourir ou pas? On pourrait te faire... Ah non, je peux pas. Ouais. Ce que je voudrais faire, le crever maintenant, comme ça on peut... Là, on est bien placé en fait pour pouvoir tuer l'ombre qui va arriver.
on peut le tuer maintenant avec ça, je crois. J'aurais bien voulu avoir Alexander en Overwatch, mais ça devrait aller. On va se mettre là pour toucher tout le monde. Voilà, c'est un peu mieux. Enfin, il n'y a pas Adèle, mais ça va. C'est bien Adèle, hein. Adèle. C'est bon. Deux 240 de dégâts, très bien. Très joli. Très joli, très joli. Contre ce genre de merde là, il faut vraiment que les snipers soient augmentés parce que. Oh mon dieu, les dégâts quoi. Il nous faut. Frénésie. Puis ça marche tellement bien là depuis que j'ai mis ça. Je sais pas à qui je pourrais faire. De toute façon, maintenant ils ont tous plus ou moins de double job. Hein. Je crois qu'ils ont tous. Hein. Je peux pas rechanger en fait. Ouais, ils ont tous double job. Donc je peux pas mettre un autre prêtre par exemple. Donc ça va. Moving out. Target detected. Ok, il est là. Et là, toi t'as pas tout récupéré, mais t'es à 10. Donc en théorie, tu peux y aller. Ce qu'on va faire, c'est du laser. Ouais. Ça fait mal, mais je crois. Je sais pas. Non, ça va. Je crois que t'as rien pris en dégâts. Ok, on lui a déjà défoncé pas mal de trucs. Je peux te... Ouais, je peux te mettre offensive au pire. Alors, liquidation rapide si jamais on a besoin. Ou alors... Ah ouais, mais c'est loin. Un peu loin. Il pourra taper qu'une seule fois. Après, je peux lui... Pourquoi t'es aussi lent? Après, je peux... Attends, je peux faire... T'as 4 points. Ah, je peux lui faire faire ça. Du coup, il va taper 2 fois. D'abord, on le fait courir. Ça ferait 8. Ouais, non, obligé de faire pousser d'adrénaline. En fait. Voilà, là il va taper 2 fois. Et j'aurai assez de... Oh, ça va, ça l'a tué. Okay. J'avais peur en fait de qu'il reste bloqué devant alors que le machin il est quasiment mort. Mais là, non. Là, en fait, ma façon c'est que même s'il mourrait pas, on pouvait taper 2 fois. Et puis après, on avait encore une demi-barre ou genre. 2/3 d'une barre pour pouvoir se mettre à l'abri, donc ça va. Bon bah ça, c'était une bonne mission. Donc ouais, je sais pas trop ce que c'est ça.
Alors, Alexander est certainement venu ici, mais il a dû partir à la hâte. Il y a des objets abandonnés dans une salle, y compris une armure remarquable. C'est un organisme vivant mutant résultant de la bio-ingénierie en utilisant, et utilisant une technologie inconnue. Elle semble toujours vivante et en état de fonctionnement. Prendre tout ce qu'il y a de valeur. Armure Samnu. Non seulement nous avons récupéré l'armure vivante, mais nous avons également trouvé le lieu que l'on pouvait avoir visité. Ah, c'est pas le DLC de armure vivante en fait, du coup, c'est ça? C'est ça? Armure biotechnologique. Waouh! Ah, elle est bien! Vache! Et elle va pour tout, du coup? Ouais, elle est multiclasse, quoi, en fait. Waouh, c'est que du positif! Putain. Est-ce qu'on peut mettre genre un lance-roquette dessus? M'étonnerait. Hein. On peut pas mettre de greffe. Waouh. Donc ouais, ça c'est un des DLC avec l'armure vivante. Je crois qu'on va trouver des armes aussi. Ah, c'est cool. Par contre, elle est méga puissante. Et elle est légère. En fait, elle a le poids d'une assaut. Bon, par contre, il n'y a pas de vitesse, rien dessus. Mais il y a de la furtivité et de la précision. Et énormément d'armure. C'est aussi puissant qu'une armure de Jericho. Je dirais Alexander. Parce qu'Alexander, il utilise une armure normale. Alors que Adèle, elle, c'est un mix. Avec une armure lourde. Je suis pas très fan de Adèle. Ah bon, c'est pas grave, faut pas que je pense à ça. Peut-être qu'on la changera en robot plus tard, je sais pas. Je dirais... Ah, attends, déjà, lui, il faut faire ça, parce que la paralysie, c'est marrant, mais ça aide pas, en fait. Là, tu perds un de vitesse, c'est tout, en fait. Bon, furtivité, précision, on s'en fout. Mais ouais, tu seras plus résistant comme ça, parce que tu me fais peur en fait. Si on commence à t'envoyer comme ça au casse-pipe, enfin c'est pas vraiment au casse-pipe, mais si on t'envoie comme ça en mêlée et tout ça, faut que tu sois résistant mec, parce que là... Et le coup de régénérer automatiquement, ça va vraiment aider. Cela, il a pris quand même cher juste avec une grenade. Non, en théorie, on devrait pas... Faudrait pas qu'ils prennent aussi cher. Bon, bah Alexander, tu gagnes la nouvelle armure. Ouais. Putain, tu gagnes... Tu vas être résistant, Alexander, en plus. Tu gagnes en poids, en plus, je crois. Non, on peut séparer le poids. Non, le poids, c'est pareil, je crois. Ouais, elle a un peu plus que l'assaut de Synédrion. Ouais, elle a un peu plus. Ouais, bah c'est vachement bien. Toi aussi, tu vas avoir anti-blindage. Esquive rapprochée, ça m'intéresse de l'avoir maintenant. Ça, tu vas être très résistant comme assaut. Ça, c'est bien, ça. Et en théorie, tu vas faire aussi assez mal. Donc, ouais, c'est pas mal. Là, c'est classe. Est-ce qu'on peut changer la couleur ou pas? Là, on peut changer... Un côté vert comme ça, c'est pas mal, marrant. Allez, on va s'arrêter là. Bon bah c'est cool. La prochaine fois, je sais pas trop ce qu'on fait, vu qu'on est juste là. On va essayer de voir s'il y a pas des quêtes à faire. Je crois pas qu'il y a vraiment de quêtes en fait. Ici, elles sont loin à chaque fois. Donc je vais voir ce qu'on fait. Mais voilà, une mission de DLC continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao ciao.